N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo, merci. Yo les potes, c'est Nabro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les potes. Ou dans celle-ci les gars, vous l'avez tous attendu pendant longtemps les gars, excusez-moi vraiment pour ça va faire presque un mois où ça fait longtemps qu'on n'a plus RP parce que il y a eu des problèmes avec Nazer et de ça, sa map, il voulait pas la continuer du coup. On a décidé avec LT3 de faire une nouvelle map, donc vas-y présente-toi LT3, ton âge et tout ça. Bah c'est moi LT3 normalement, vous voilà. Connaissez hein. Alors, vous connaissez les gars, un des meilleurs modos aussi. Oxinti Ninja du coup. Donc là c'est le deuxième meilleur modérateur qui m'a aidé à créer la map les gars. Alors on va directement commencer par comment participer. Alors les gars, comment participer les gars, vous allez devoir aller dans la description. Donc dans la description il y aura un serveur Discord. Donc faut juste rejoindre le serveur Discord. Donc c'est obligé, t'as Discord, donc tu participes pas à RP les gars. Excusez-moi pour ceux qui sont pas Discord. Alors faut au moins avoir plus de 10 ans. Donc si t'as pas 10 ans, ça sert à plus rien de rejoindre. Si t'as pas au moins 10 ans, genre t'as 9 ans, tu peux pas participer, ok. Donc voilà les gars, parce que sinon il y a trop de gogol dans la map évidemment. Donc voilà. Alors on va directement commencer par la présentation les gars. Alors pour participer, rejoignez le Discord les gars, abonnez-vous à moi et à LT3 du coup. Aussi toute la chaîne est dans la description les gars. Vous allez dans la description, vous savez comment participer. Donc sa chaîne, il faut être abonné les gars ou alors aucune participation. Alors on va commencer, donc on va directement là à la plage les gars. Donc on va commencer directement par la présentation. Alors, quand vous êtes sorti du spawn, vous allez arriver à la plage. Donc la plage, on doit rajouter des trucs, on verra après un peu ce qui se passe là. Donc voilà. Pardon si je parle vite les gars, c'est pour pas que ça dure trop longtemps. Alors, ici vous avez donc une route qui mène ici donc vers la plage et on doit encore avoir des trucs. Alors, on va directement commencer par l'agence immobilière. Donc vous voyez sur la map si vous arrivez pas à vous retrouver, pardon. Alors ici, comment vous demandez vos maisons et ça, faut aller sur Discord évidemment, c'est pour ça que le Discord est super important. Il y aura toutes les photos de ça sur Discord. Des maisons avec le prix. Donc voilà un intérieur de cette maison. Donc c'est vraiment des intérieurs simples et petits hein. Donc vraiment c'est pour une personne la maison, quasiment une ou deux personnes. Donc voilà, il y a trois étages. Donc identiquement un peu les mêmes quoi. Donc voilà, on va directement passer au mécano. Donc hop là t'arrives ici. Donc t'as le mécano. Bon vous customisez vos voitures ou quoi. Enfin on s'en fout quoi. Bref, ici, un péage, donc un peu cassé, donc ça sert à rien, on vous paye rien du tout, parce que voilà, il y a la dire qui a été créée par LT3 du coup. Pour déconner un peu, mais ouais. Ouais, voilà, pour un peu déconner, et en fait, à la base, on a supprimé, puis on a dit c'était stylé, en vrai. Alors, ici, vous avez une maison, une villa, après, on va tout vous montrer à l'intérieur des maisons, donc pour le moment, vous avez ça, ici, on va directement passer. Alors, à la villa, Dog City Ninja, donc les gars, n'est pas à vendre, excusez-moi les gars, mais voilà, à vendre. Et du coup, je vous montre l'intérieur les gars, hop là, donc vous voyez ici, vous avez une pièce qui n'a pas été faite, mais pas... Ouais, je sais pas pourquoi là, elle a pas été... Normalement, j'ai refermé le mur, c'est petit. Donc vous avez une cuisine, du coup voilà, normalement il devait avoir de l'eau dans les vieilles, j'avais mis, elle était supprime aussi celle-là. Donc voilà, vous avez donc une cuisine, hein, simple. Enfin simple, pas comme les autres quoi. Une table les gars, donc voilà, créée par moi-même avec une lumière et ça, enfin j'ai une table, je peux plus en faire spawner, donc j'ai dû faire moi-même. Alors ici, vous avez donc du coup sa télé avec un canapé. On va directement monter les gars, donc c'est la maison les plus à vendre, hein. Vraiment c'est vraiment la maison du meilleur modérateur, il faut que je vous la montre quoi. Alors ici vous avez du coup un miroir avec deux tiroirs, hop là, un serviette et ce genre un genre de baignoire en carré. Ici du coup vous avez son setup, je sais pas pourquoi les écrans ils sont tous blancs, avant il y avait des images dessus, maintenant ils sont blancs, donc voilà tant pis. Alors vous avez un micro avec la souris, hop là, le clavier, hop, la caméra au-dessus et un frigo au cas où, des acoustiques donc ici, hop là. Vous avez derrière une PS4 du coup, arrête de se connaître, c'est chiant. Donc voilà, pour sa team les gars, parce qu'il aura une team sur Fortnite, donc voilà, pour sa team les gars, pour aller dans la villa. Alors encore une baignoire ici, 5 quarts de robe, donc elle est pas ouverte, c'est une des murs que j'ai placé hein. Comme ça avec des morceaux de bois, hop là, un lit, et encore une télé ici. Alors je crois que c'est tout pour la villa, donc voilà l'extérieur les gars, jacuzzi, hop là, tac, tac. Donc ici on va directement passer, ah oui j'ai pas l'intérieur ici. Donc la villa qui a été créée par LT3. Donc voilà, villa créée par LT3, intérieur pareil. Hop, on est ici. Tac, t'as ça. Par donc contre, c'est l'intérieur moins riche. Ouais, moins riche, on s'en fout. Allez, il y a assez de ce quoi. Donc, on s'en fout. Ah, vous avez beaucoup de bureaux, les gars. Ça peut être une maison d'un gérant de site de quoi, on s'en fout. Un petit peu. Alors, la banque. Vous allez voir, elle est vraiment ultra stylée, créée par moi et LT3. Vraiment, c'est un des meilleurs bâtiments qu'on a fait ensemble. Donc ici on s'en fout un petit peu de ce qu'il y a là. Donc vous demandez votre argent et tout ça, faut aller sur le serveur un peu en même temps. Vous demandez votre argent et puis après un modérateur devra me contacter. Parce que moi je vais gérer tout le serveur Discord, vous verrez bien. Enfin en tout cas voilà quoi, c'est tout. Donc quand tu as des sièges si et tout ça, vous, enfin, si vous avez des problèmes, contactez les modos normalement, vous regardez les rôles.
Enfin bref, si vous avez des trucs, les gars, c'est sur Discord qu'il faut demander, parce que c'est plus simple comme ça. Moi, je suis tout, je suis actif pendant l'heure, c'est sur Discord énormément. Donc, si vous avez le coffre, donc pour braquer la banque, évidemment. Ou par contre, ici, faut pas mettre de. Ici, c'est l'endroit des bijoux, normalement. Donc, normalement, attends, ouais, mais ici, faut pas que tu t'enlèves le coffre après. Donc, on enlève le coffre parce que sinon, ça va faire trop d'argent à gagner. Donc, les gars, par coffre, il y a 7000 euros. Donc, on va compter les coffres. Donc, ici, vous avez une fabrique. C'est de l'argent habillé. Sale, après, il faut. Ouais. Non, ça va être, non, ça va être de l'argent, ça va être propre. Mais en fait, l'or, tu vois, ça va être l'argent, ça va être de l'or. Tu pourras échanger avec des trucs, tu verras. Donc, ici, dedans, normalement, il y a un coffre. Je sais pas pourquoi il est tout. Enfin, bref, on s'en fout. Donc, vous avez un coffre. Deux coffres, ça vous fait 14 000 euros environ, 14 000, 15 000. Alors vous avez 15 000 euros, 15 000 voilà, plus 750, du coup 7 500, donc voilà, vous avez 14 000. Et ici les gars, dans ce coffre, ce qu'il y a, c'est l'or en fait. Tac, voilà, vous avez l'or, 7 500 d'or, donc c'est voilà. Vous pouvez environ gagner, si vous vendez 7 500 d'or, vous gagnez environ 14 000 euros, donc voilà, vous avez environ pour 40 000 euros d'argent en braquant cette banque, mais évidemment, ça va être très difficile de la braquer, donc voilà. Ça va vraiment, mais comme je vous dis, ça va être difficile, c'est pas, voilà, ça va pas vraiment, vraiment les gars, c'est difficile. Alors, le quartier, donc des bâtiments, donc voilà, ça a été créé par un autre, il s'appelle Zarkox, les gars, donc dédicace à lui, donc voilà. Il a fait un petit appartement, et pourquoi il manque, ok, il manque une cuisine. Donc il a créé l'appartement. Ah, ça, c'est moi qui ai décoré, j'ai dû oublier quelque chose. Donc, quoi? J'ai dû oublier quelque chose en décorant la maison, le bâtiment. Bon, je sais plus moi. En tout cas, voilà, par les trop ou par Zarkox, évidemment. Donc voilà, ça c'est décoré par moi. Du coup, je vous montre un appartement, ils sont identiquement les mêmes. Hein. Juste un peu. Ça, c'est moi qui l'a décoré, non? Et non, ça c'est moi. Toi, t'as décoré l'autre. C'est le bâtiment que t'as décoré. Donc ici, t'as le lit, hop là, voilà. Et la télé, et là-bas, t'as la salle de bain. Donc voilà. Pareil hein, pour ce côté, sauf si que si vous achetez des bâtiments, il n'y a pas de build, il faut demander un modèle. Ouais, les gars, donc faut, voilà, faut vous. En fait, les gars, votre argent, elle sera plus, donc ça sera plus du bon en fait. Genre, si vous pouvez avoir de l'argent pour le bon, mais faut, l'argent sera sur le Discord, les gars, faut aller sur le Discord. C'est pour ça qu'il y a besoin de Discord, les gars. Par exemple, quand vous achetez une voiture, vous marquez Give Money, donc Give Money, et vous marquez Nabro. Vous mettez arrobase et il y aura mon pseudo qui est écrit quelque part. Admin Nabro, vous cliquez dessus et vous donnez à moi. Parce que les salaires, c'est moi qui vais donner. Non, faut pas donner au concessionnaire parce que le concessionnaire il va gagner son salaire, il va pas gagner l'argent de la voiture en fait. Faut le donner à moi et moi je diviserai donc à chaque fin d'RP. Normalement, les salaires, évidemment, faut être actif sur le serveur RP. Alors, vous avez les McDonald's, donc du coup, créé par moi intérieurement et extérieurement. Donc, voilà, je vous montre un petit peu. Vous avez un sapin, donc on pourra le supprimer. Bientôt, c'est plus censé dire plus Noël en fait. Mais bon, on s'en fout. Alors, ici, vous avez un truc pour prendre vos sauts. Donc voilà, c'est simple. Il y a des sièges. Il manque le truc des sauces. Non, ils sont là. Non, il manque le truc pour tenir. Ou c'est comme ça. Ça tient comme ça, ouais. En Belgique, en tout cas, il y a le truc qui tient comme ça. Enfin bref, on s'en fout. Ici, vous avez une maison. Elles sont toutes identiques. Les gars, je vous fais visiter. Donc voilà, t'arrives ici. Hop, elle coûte pas cher. Elle devait vous coûter dans les 5000, 6000, 9000. Entre 10 000 et voilà, on verra. Les gars, vous verrez les prix sur Discord. Non, agence immobilière en live. Voilà. Hop là, tac, tac. Donc voilà, c'est tout, c'est identique ici, pareil. Alors, l'appartement créé par LT3, intérieurement. Je l'ai pas créé, mais décoration. Intérieurement, j'ai dit. Hein. Donc voilà, hop là, table, hop là, salon, hop là. C'est simple, les gars, c'est vraiment un appartement pour une personne ou deux. Donc vraiment, c'est voilà, un immeuble et c'est identique. Hein. On essaie de faire beaucoup de copier-coller, les gars. Donc voilà, ici, regardez, les gars, il a une idée de casser un peu le mur. Donc voilà. Mais il manque plein de choses, il y a deux secondes, il y avait des pierres ici cassées. À chaque fois ça supprime, ouais, c'est chiant. Ça prend un peu ok, vous arrivez ici, là, vous avez le PS un peu plus là, normal quoi, un peu moins cassé. On peut dire ça. Donc là, vous avez l'auto-école parce que oui, faudra avoir un permis les gars pour avoir le truc, donc il coûtera 200 euros le permis de conduire. Il faut aussi faire un code. Hein, évidemment. Il faut aller sur donc, Discord et faut marquer. Votre permis, ça sera pas qu'une fois. En fait, il y aura des sessions pour avoir le code. Voilà. Et le permis, bah, où est-ce qu'il se passera, donc ce sera, voilà, ce sera sur la route, hein. Clairement il n'y aura pas de terrain exprès pour l'auto-école, ce sera vraiment sur la route. Donc si vous avez un grand parking, donc au cas où de vous y arriver, vous avez aucune place. Alors ici vous avez du concours une maison, donc c'est encore identiquement les mêmes que les autres, hein, les gars, c'est vraiment des maisons, elles ont tous le même prix. Alors voilà, ici vous avez la petite banque BDGM, si je me trompe pas, non, j'ai GBM pardon. Donc ici vous avez le truc. Là vous avez le coffre, évidemment cette banque ne rapporte pas énormément d'argent. Le seul argent que vous pouvez avoir c'est l'argent qui est sur la table. Et en gros ça fait 7000 euros en fait les gars, 7500 euros en total. Du coup voilà, hop là, vous venez ici encore une maison. Alors ici une maison au bord de mer, donc voilà, vous arrivez, enfin au bord de mer, ouais, à la plage quoi. Donc voilà, petit canapé, hop t'arrives ici, t'as ta piscine et tout ça, enfin bref.
Ok, on s'en sortira nickel. J'arrive ici. Le grand sapin, je pense. Hop là, vous avez ça, donc voilà. Hop là, le grand sapin, faut pas l'enlever, non. Ok. Pas tout de suite, quoi. Au pire, tu peux le remplacer par le sapin qui est au commissariat, si tu veux bien. Donc ici, vous avez son garage. Les maisons encore pareilles, identiques. Donc voilà, c'est des petits quartiers, les gars, où vous pouvez avoir. Alors, on va passer directement à la villa. Donc voilà, ça, c'est les villas. Donc c'est la seule villa qu'il y a comme ça dans la map. Donc voilà, quoi, c'est une petite villa encore, une villa de commerce, quoi. Voilà. C'est simple, hein, les gars. C'est vraiment super simple. Alors, ici, vous avez l'hôpital. Fait par Nabro et déco. Donc voilà, des intérieurs et extérieurs. Fait par Nabro, donc voilà. Il y a des endroits où j'ai bloqué, j'ai un peu rétréci l'hôpital d'extérieur, on dirait qu'elle est grande, mais voilà. Donc ça, c'est toutes des salles d'hôpital. Arrête de me spammer d'invités dans les gars, on se retrouve tout de suite, j'arrive. Donc voilà les gars, on continue, donc le mec ne trouve pas dans mes amis, il va m'inviter, donc excusez-moi les gars pour les invitations, c'est vraiment... Voilà, t'as des gens, j'ai envie de spam d'invités, tu ne les rejoins pas, ils vont continuer à t'inviter, tu sais pas pourquoi. Alors ici, vous avez du coup une fontaine, donc on a invité l'hôpital. Alors, on va commencer, enfin on va... Enfin, voilà, on va continuer avec la truc, donc l'intérieur je dois encore faire, mais je sais pas quoi faire les gars pour le moment. La discothèque déco les gars, hop là, donc tu viens ici, merde. J'ai dit merde les gars, j'ai pas dit merde. Hop là, donc vous avez donc ici, ouais, fait par moi, et elle était trop en fait d'un côté. En fait j'ai eu l'idée d'être après c'était pas vraiment. Donc voilà, ici, donc comme vous le reconnaissez, c'est un peu de GTA, les gars, qu'on a essayé de créer, donc du côté, hop là, le bar. Donc vous venez ici, donc vous pouvez danser encore ici, donc voilà, ici, vous pouvez encore danser une petite fois. Il manque un truc au-dessus, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Comme vous voyez, les gars, ça fait 3 ans, je suis en créatif. Hop là, donc ici, le carré VIP au-dessus, donc tu montes par là, les gars, et voilà. Donc la discothèque, elle sera pas tout le temps ouverte, hein, faut le savoir, les gars. Ça va se passer comme ça, alors. Ouais, faudrait que quelqu'un l'achète déjà, la discothèque. Environ plus de 20 000 euros, voire plus. Voilà. Si du coup vous avez les voitures, donc voilà. Il y a le concessionnaire et le. Qu'est-ce qu'ils ont encore faire? Alors, t'inquiète, j'ai pas encore fait. Donc les gars, ici vous avez du coup un karting, du coup voilà. Donc vous mettez sur les plaques noires et hop là, vous faites tout le circuit, hop. Donc t'arrives là, tac, et voilà. Puis ça, évidemment, j'ouvrirai. Et puis après, il y aura 2 tours, évidemment. Voilà, les gars, je sais pas si vous voyez au-dessus, mais il y a un mec qui s'appelle Nicolas Desbouveries qui arrête pas de m'inviter, tu sais pas pourquoi. Enfin, voilà, quoi, c'est. Voilà, quelle vie de merde, tu vois. Genre, quand tu sais pas quoi faire, t'invites des gens. Excusez-moi. Alors, ici, on n'est pas encore passé, du coup, voilà. Vous arrivez ici, vous avez United States Police Département. Donc voilà, ça va être la map, du coup. Hop là, petit commissariat. Donc encore des bureaux, évidemment, ici, avec des sièges. Hop. Tac, un petit sapin parce que c'était Noël, mais les gars, c'est plus Noël, donc on va pouvoir le supprimer tout à l'heure, donc faut pas maintenant. Alors, les cellules, elles ressemblent à ça, donc voilà, si, tac, voilà. Alors, les armes, moi j'ai pas encore tout fini ici, mais voilà, c'est encore à voir en fait, les gars. Donc, si vous avez les 2 armes des flics, donc ils ont qu'une R, et ça, c'est encore, voilà, en réalité, vous avez pas des gros guns, ça, voilà, quoi. Donc, hop là, voilà, ici vous avez le concessionnaire, donc créé par LT3, donc c'est le cas avec moi, hop là, tac. Pardon les gars, si vous entendez les invitations, je sais pas si on entend les invitations les gars dans le truc. Donc voilà, vous avez des machins. J'ai fait un peu l'intérieur, évidemment, c'est le cas de toutes les voitures et tout ça. Alors, ici le MediaMarkt, donc ça se prononce comme ça les gars. Alors, qu'est-ce que vous pouvez acheter? Évidemment, ça, vous l'entendez les gars, le média, donc les trucs pour les médias. Hop là, donc vous avez des caméras et ça. La caméra ici, elle va changer les gars, donc ça va être une plus petite caméra pour faire plus RP. Donc ici, vous avez un PC, PS4 Pro, PS4, et PS4. Des claviers avec un écran comme ça, donc écran de grosse télé, vous pouvez enlever ça si vous voulez. Ici vous avez écran comme ça, écran comme ça, donc écran PC, écran télé, mais voilà quoi. Donc voilà, vous pouvez acheter tout ça, donc on a fait le tour les gars, je crois. Donc les gars, c'est tout pour cette map les gars, n'hésitez pas à vous abonner, attendez les gars, on regarde si on a rien oublié. Ok les gars, on a rien oublié les gars. Alors n'oubliez pas les gars, faut vous abonner à moi et à LT3 les gars, chaîne en description, et Discord aussi en description. Enfin, tout est dans la description, les gars. Allez, ciao.